Et salut tout le monde, c'est Sandy 30000 et bienvenue pour ce nouvel épisode de Super Mario Odyssey. Alors, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on avait exploré le château de Peach. Et comme je vous l'ai dit, dans le let's play, hein, je vais bien entendu, après le boss final, on va récupérer toutes les lunes. Parce que, pour avoir le 100%, en fait, il faut récupérer toutes les lunes de tous les mondes pour avoir le 100%, mais aussi pour déverrouiller quelque chose à un niveau très très spécial. Voilà, on me l'a dit, hein, si tu collectes les 999 lunes du jeu, tu vas voir déjà, il va y avoir une surprise, mais aussi tu as besoin de lunes, il m'en faut 500, je crois, pour déverrouiller le niveau final du jeu, un niveau super dur et tout ça. Du coup, on va essayer de collecter les lunes. Alors, donc voilà, nous sommes à Haut-de-Bourg. La dernière fois on s'était quitté ici, voilà l'élégance d'une architecture très feutrée, très bien. On avait récupéré 11 lunes dans le let's play, une, deux, trois, quatre, cinq, six, six lunes, voilà. Il nous manque 6 lunes pour compléter le 100%, voilà. Alors on va les chercher, mais d'abord, vous en souvenez, hein, après avoir battu le boss final, ces cubes là qu'on avait dans tout le let's play, qu'on avait trouvé dans presque tous les mondes, ils vont servir à quelque chose, enfin, voilà, enfin j'attendais ce moment là, parce que ces cubes là, ils sont là depuis le début du jeu et on peut presque rien faire avec eux, c'est un peu chelou. Alors, voilà, hop, 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 voilà, super, on peut monter. Et du coup, on va prendre le Paragoomba et on va rejoindre le cube, puisque en fait, c'est notre objectif. Voilà, c'est notre objectif, vous le voyez bien, il y a un espèce de rayon lumineux, donc on va y aller tout de suite. Alors, je sais pas si, maintenant qu'on a fini le boss final et qu'on a fini l'aventure principale, ça va être les épisodes 100%, j'appelle ça. Hein. On continuera l'aventure une fois qu'on aura fait tout le 100% de tous les mondes, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bloc là? Oh, j'ai trouvé. Ok, il faut lui donner un coup de capi dans la tronche. Enfin, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne et... Oula, la manette elle vibre de ouf. Et il part dans l'espace. Et il explose. D'accord. Très bien, pourquoi pas. Et ça fait plein de paillettes. Plein de petites paillettes. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça a projeté plein de lunes partout. Ce drôle de rocher était probablement une météorite tombée de la lune. D'accord, et du... Oh purée, d'accord, ça rajoute des lunes en fait, c'est ça? Bon, ça va qu'il nous donne les emplacements, au moins des lunes, mais ça rajoute combien de lunes en fait là? On en a... Ah ouais, d'accord, on a 31 lunes là. Ah ouais, donc on en a pas 6 à chercher, on en a plein, d'accord, les cubes... En fait, c'est comme un petit peu les étoiles vertes dans Mario Galaxy. Une fois qu'on avait terminé le jeu, les 120 étoiles, je crois, il y avait une comète qui tombait sur les niveaux et du coup, ça rajoutait des étoiles cachées qui s'appelaient les étoiles vertes. Et du coup, il fallait les chercher. Oh, regardez, je crois qu'il y a une de ces lunes cachées là. Attendez, il y a plein de trucs là, il y a un oiseau et tout. Attendez. Oula, alors déjà, ça, c'est louche. Voilà, on envoie Capi dessus. Ok. En fait, ça va parce qu'ils nous donnent les emplacements, eux, au moins. Enfin, ils nous donnent les emplacements des lunes, voilà. Sur une épave dans le smog, très bien. Et du coup, ici, sur une épave dans le smog, c'est la 23, d'accord, ok. Du coup, ouais, ils nous donnent les emplacements, donc c'est cool, ça va. Allez, on va prendre ça. Et du coup, on va aller chercher les lunes qui nous manquent. Comme je vous l'ai dit, on va aller choper cet oiseau là-bas. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si les épisodes 100%, je vais faire un épisode pour un niveau ou je vais faire plusieurs épisodes pour un niveau. Parce qu'il y a des niveaux assez longs, par exemple le niveau des sables qui est très très long. Alors super, lui il nous donne une lune, très bien. Volatile en vadrouille dans le smog, très bien. Oui, comme il y a des niveaux assez longs, par exemple le niveau des sables par exemple qui était super grand, ou encore le niveau de la cuisine, je sais pas si je vais prendre deux épisodes pour les faire. En fait, ça va dépendre du niveau, je pense, du nombre de lunes qu'on a à collecter. Parce que je sais que dans le niveau des sables, j'avais pas récupéré beaucoup de lunes, j'avais pas récupéré tant de lunes que ça, quoi. Et du coup, là ça va, puisqu'on a récupéré. Oui, il faut récupérer les pièces violettes et les lunes, ça va être chaud. Course note dans le smog, très bien. Alors ça c'est des lunes du rocher, ouais ok, la 23, la 25, la 27. Ok très bien, en fait ces petites vidéos là ça fait office de Solus. En tout cas les lunes j'ai pas l'impression qu'elles sont si bien cachées que ça. Regardez, il y en a encore une ici, très bien. Alors la meilleure lune du monde, voilà, au pied du pont Binocles, très bien.
Alors, bon, ces lunes-là, en fait, les lunes qui sont tombées du cube, je pense pas que ça soit des lunes très intéressantes. Par contre, les lunes 17 à 12, là, je pense que ça va être des lunes avec des quêtes très très spécifiques à faire. Du coup, ben, on verra bien, on verra bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, j'ai pas inspecté là-bas s'il y avait des lunes qui sont tombées, des trucs. Oh, par contre, il y a un lapin. Ok, ben, le lapin, on va le choper. Oh là, bah, il y avait une lune, attendez. Il y a une lune, je l'ai vue. Alors. Très bien. Vous en souvenez de ce niveau, hein? Je crois que c'était dans l'épisode 9. J'avais essayé de récupérer une lune qui était sur un vaisseau et j'avais galéré. Mais du coup, c'est bon. Finalement, on l'avait eu. Cette petite lune, Lapichou sur les collines. Très bien. Et du coup, c'est une lune du cube, ça aussi? Lapichou dans les collines. Oui, c'est une lune du cube. D'accord. Donc, ça fait apparaître des PNJ aussi. Oui, c'était une lune qui était sur un vaisseau là-bas. Vous en souvenez? Voilà celle-là. Celle-là, là, attendez. Ouais, ici, vous la voyez, hein, entre les vaisseaux là-bas. C'était une lune qu'on essayait d'avoir. Ah, on peut zoomer? Attendez, comment on fait pour zoomer? Ah non, on peut pas zoomer, d'accord. Quitter. Voilà, on peut quitter. C'est une vue subjective, ça, comme il y avait dans Mario 64. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? C'est sympa de nous rendre visite. On a entendu parler de vos exploits. Ah bah écoute, si t'as entendu parler de mes exploits, c'est que mes exploits, ils sont quand même assez grands. Alors, très bien. Alors, n'oublions pas qu'on a toujours le petit Toad pour nous, enfin, pour nous dire où sont les lunes. Et on a cette espèce de volatile qui nous dit le nom des lunes. Quand ça roule, ça roule. Très bien. Donc voilà, ça nous donne des trucs. Un taxi volant sur eau de bourg. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il donne 3 lunes. Enfin, il nous donne les noms de 3 lunes par 3 lunes. Voilà. Sous le bord du grand chapeau. D'accord, ok. Bon, bah lui, il va. Oh, bah regardez, il y a un truc ici. Sur l'espèce de panneau là. Donc lui, il va nous donner les noms des lunes. Et ça va être très très utile en fait. Voilà. Alors, hop. Voilà, ici. On envoie ça. Et ok, ça nous donne une lune, très bien. Bon, en fait, les lunes, ouais, elles sont pas super bien cachées. Enfin, ça va. Heureusement qu'ils nous donnent les emplacements aussi, hein. En faisant tourner le chapeau d'or. Mais là, j'ai pas besoin de vous vérifier les emplacements, en fait. Ah, voilà, regardez, quand ça roule, ça roule. Là, c'est l'espèce d'insigne avec un perroquet dessus. C'est parce que c'est le perroquet qui nous a dit où c'était. Sous le bord du grand chapeau. Le grand chapeau? Ah ouais, il y a une lune là-bas, ça doit être celle-là. Ok, sous le bord du grand chapeau, très bien. Sans vaisseau, cette ville est comme un port sans bateau. Bah oui, bah oui. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Bah en fait, oh, attendez, là-bas il y a quelque chose, hop, voilà. Ça a été rajouté, hein. Ça a été rajouté, oui, ça a été rajouté, j'en suis sûr. Ok, c'est pour une clé, très bien. Bah voilà, ça va pas être super difficile. Voilà, on prend ça. Très bien, ça nous donne une petite lune. C'est super. J'ai hâte vraiment d'avoir toutes les lunes pour voir ce que ça débloque. Pays des chapeaux, Athletic Tac 2. Très bien. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait un Athletic Tac la dernière fois. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Salut. Ah, salut, Capi. Ça faisait un bail. Dis-moi, tu te souviens de ce trésor dont tu m'avais parlé? Tu sais, tu m'avais dit que je pourrais le garder si je le trouvais. Je ne sais pas où tu l'as planqué, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. D'accord, ok. Bah, Capi, où est-ce que je l'ai mis déjà? Sous cette pile de caisses? What? C'est une quête? Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un trésor caché sous les caisses, c'est ça? Il y a un trésor caché sous les caisses, c'est ça? Je crois qu'il dit ça. Non, pas par ici. Très bien. Bah, il faut trouver des caisses, alors, ok. Bah, trouvons des caisses et essayons de trouver le trésor de Capi. Oh, mais attendez, c'est quoi ça? Oh, attendez, on va y aller. On va y aller. Qu'est-ce que c'est? C'est un tuyau. D'accord. C'est un tuyau. Ouh là là. Oh, c'est un tuyau, mon dieu. Ah, c'est une zone bonus, d'accord. Ah, mais ça, en fait, c'est un fragment du cube qu'on a cassé. Regardez, c'est un espèce de fragment du cube qui forme un tuyau. Oh là là là. Oh purée, ça va être un truc. Oh mon dieu, ça va être un truc où il va falloir rouler. Très bien. Oh là, il y a une lune là-bas. Ok, il y a une lune là-bas, je l'ai vue. Allez, prenons la lune. Vite, essayons de la voir. Yes, super. En boule et en finesse. Très bien. Bon, heureusement qu'il y avait le hérisse là qui m'a quand même frappé. Parce que sinon, je pensais pas que j'allais avoir la lune. J'étais un petit peu trop sur le côté. Alors, très bien. En fait, c'est des zones bonus où il va falloir rouler. C'est plutôt cool. C'est cool. Ah ouais, j'aime bien.
Allez, oh purée, alors c'est pire que le Jaxi, hein. Oh ouais, alors dans le pays des sables, va falloir refaire le truc du Jaxi là, ça va me saouler, je le sens. Et bien voilà. Ok, quand ça roule, ça roule. Alors il y a bien deux, comme je vous l'ai dit, dans les zones bonus, il y a deux lunes qui sont cachées. Dans une zone bonus, il y a deux lunes qui sont cachées, donc il va falloir faire bien attention. Alors, par contre, oui, on avait laissé le trésor de Capi, là, mais il va falloir quand même trouver le trésor de Capi. Il avait dit sous une pile de caisses, mais vu que les caisses ont repop, non? Attendez, les caisses ont repop, non? Je sais pas trop, attendez. Ah, là-bas, il y a encore des caisses, on va les prendre. Voilà, enfin on va les casser plutôt. Super, ici y a rien, y a pas de caisse. Non, y a pas l'air d'avoir de caisse. Très bien, bah on peut remonter. Bon bah alors Capi, je sais pas du tout où il est ton trésor, hein. Ça doit être une lune à mon avis, hein. Oh, y a une lune là. Y a une lune. Donne-la moi s'il te plaît. Cette lune est sous ma protection, rien ni personne ne pourra me la prendre. Pas même un Paragoomba. Ok, bon bah je sais ce qu'il faut faire. Faut lui ramener un Paragoomba, voilà. Très bien, bon bah ça il dit dans sa phrase, hein. Ça y a pas à chercher. Mais y a pas de la lune là dans... Enfin, y a pas le trésor de Kaby. Parce que je sais pas si c'est une lune, mais je pense que ça doit être une lune à mon avis. Alors viens là, on va amener un Paragoomba. Voilà, c'est super. Un petit Paragoomba pour le monsieur qui protège sa lune. En fait je pensais qu'au départ... Oh y a des lunes, enfin y a des caisses là-bas, mince. Je pensais qu'au départ il allait... Ah oui, il a peur. Hii, ah, un Paragoomba. D'accord, il a peur. Ok, très bien. Bon, on va pouvoir choper la lune. Super. Un chapiforme très courageux. Très bien. Super. Le pauvre, il a peur d'un Paragoomba. Alors, j'ai trouvé... Oui, il y avait des caisses tout à l'heure, là. Non. Bah non. Il n'y a pas l'air d'avoir de lune en dessous. Je pensais au départ que lui, il allait nous donner la lune que si on était habillé correctement, genre avec la tenue du pays, mais pas du tout. Alors oui, c'est vrai que là-bas, il y avait une lune, il faut que je la chope. Ok. Pour l'instant, on a récupéré 10 lunes sur 31. Bah d'accord, il nous reste 10 lunes à choper. Ok. Bon, je sais qu'il y a une lune en haut du chapeau, là, vous en souvenez. Il y a une lune en haut du chapeau, à mon avis, il doit y avoir une lune dans la tour, je pense. Ah, peut-être pas. Est-ce que les lunes, elles sont toujours en extérieur? Enfin, les lunes que le bloc a posées, là, elles sont en extérieur? Sur le panneau de tête de mort, très bien. Est-ce que les lunes que le truc a posées, elles sont en extérieur? Enfin, que le bloc a posé, elles sont en extérieur ou elles sont à l'intérieur aussi? Parce que si elles sont à l'intérieur, purée, il va falloir bien chercher, hein. Ouais, ah bah, à mon avis, elles sont partout, hein. Elles doivent être partout. Ok, derrière la tour, j'ai pas cherché aussi. Purée, il y a plein de trucs. Là-bas, il y a des vaisseaux et tout. Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud. Ok, alors, je cherche toujours le comment ça s'appelle? Le trésor de Capi, là. Trésor de Capi, attendez. Un taxi volant sur Aubourg. Ah non, attendez, déjà, alors, ce qu'on va faire, on va pas s'éparpiller. Je vais aller voir le perroquet, il va nous donner les noms des lunes. Comme ça on va voir. Oh, tant que j'utilise pas le Toad, à mon avis, c'est pas de la triche. Tant que je trouve, je vais voir le perroquet. De toute façon, Nintendo nous a mis à disposition le perrotruc, qui s'appelle perrotruc, qui nous donne le nom des lunes. Donc à mon avis, ça c'est pas de la triche, hein. Sous la plateforme couverte de smog. Très bien. Alors il y a une plateforme couverte de smog. Qu'est-ce que tu cherches? Un taxi volant sur Aubourg. Ça je sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu cherches? Sous le bord du grand chapeau. D'accord, ok. Bon, il nous a donné le nom d'une lune en plus. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Attendez, j'ai vu Paragoomba. La ville a retrouvé son... Non, pas du tout en fait. Pas du tout, j'ai cru qu'il avait dit Paragoomba. Ok. Alors, mais lui, il nous dit rien là? Attends, voilà. Ah, salut Capi, ça fait un bail. Dis-moi, tu te souviens de ce trésor? Je sais pas où tu l'as planqué, mais je l'ai toujours pas... Ah, il nous a... Est-ce qu'il nous a... Où est-ce que je l'ai mis? Ok, quand je suis rentré dans le tuyau, en fait, je crois qu'il a fait rebooter la quête. Quand je suis rentré dans le tuyau pour faire le truc avec la roulade, là. Non, pas par ici. Ouais, je crois qu'il a fait rebooter la caisse. La quête. Ah, c'est bête, ça. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Sous cette pile de caisses. Sous cette pile de caisses. Bah, il va falloir retrouver toutes les caisses que j'ai cassées. Là. Est-ce que tu nous dis quelque chose si je vais là? Non, il nous dit rien. Ici, il n'y a pas de caisse. Voilà. Quand je suis rentré ici, en fait, ben, c'est comme si j'avais pas validé la quête. Enfin, c'est comme si j'avais pas commencé la quête, plutôt. Ok, c'est un peu bête, ça. Ici, bah lui il a toujours peur du Paragoomba alors qu'il n'y en a même plus. Ici, il nous dit rien Capi? Non, il nous dit rien. Là, tu nous dis rien? Non, il y avait des pièces par contre, bon, on va les choper. Et quand même 2000 pièces, enfin presque 2000 pièces, c'est quand même pas négligé, hein. Je trouve ça plutôt honnête.
Ouais, c'est plutôt cool. Alors ici, on a toujours la lune là. Ouais, il y a la lune n'a pas bougé. Mais c'est bête, attendez, où elle est? Enfin, où il est le trésor? Là-bas, il y a une note de musique. Bon, on l'avait trouvé déjà. Je m'en souviens. Ici, il n'y a rien. Bah, ça, je crois que ça fait deux fois qu'on passe ici, mais bon. Des caisses. Mais où tu veux... Enfin, attendez. Si, de toute façon, on va faire tout le chemin, hein, de toute façon. Alors voilà, tu nous dis rien ici. Je ne crois pas que ça soit par là. Je ne crois pas que ce soit par là, plutôt. Ok, ben, c'est pas là, alors. C'est où? Bah, ça doit être dans la ville, à mon avis, hein, parce que... Où est-ce que je l'ai mis, déjà? Sous cette pile de caisses. Oui, mais sous quoi? Enfin, la pile de caisses, il y en a partout, des caisses, hein. Sous cette pile de caisses... Tu veux que j'aille où? Là, mais attendez, je l'avais pas vu, ça. Prendre une photo de cet indice. Ah, mais ça va nous aider, ça. Ah, ok, d'accord. Donc on a bien un truc à... On a un indice à avoir. Non, pas par ici. Bah, c'est où? Enfin... Oh! Je l'ai pas vu, ça. Salut! Mais qu'est-ce qu'a fait la Peach? Waouh, Mario, je suis content de te voir. Je suis contente de voir que tu continues de voyager. Tiara et moi, nous avons décidé de faire le tour du monde. Et cette fois-ci, c'est nous qui décidons du programme. On peut profiter à notre guise de la beauté des paysages. Tu as vu ça? Ici, chez Tiara, les gens circulent dans les vaisseaux en forme de... dans des vaisseaux en forme de chapeau. Cette terrasse est un de mes coins préférés. Quelqu'un m'a donné une lune tout à l'heure. Tiens, utilise-la pour continuer ton voyage. Eh ben, merci, Peach. Donc, il va falloir trouver Peach, c'est ça? Peach au Peach. Ah ouais, d'accord. Donc, Peach va se balader, elle aussi. Il paraît que les dinosaures adorent prendre des bains de soleil. Je me demande si c'est vrai. Ok, donc à mon avis, elle va aller au pays des dinosaures, là. Ok, là. Mais pourquoi? Mais t'es bête ou quoi, Peach? Genre, elle a déjà tous les stickers de toutes les régions. Elle est un peu nunuche, Peach. Hein. Alors, ici, il y a quelque chose. Oh, bah, une lune. Bah, écoutez, très bien. Super, sur la plateforme couverte de smog. Ah, c'était pas ça? C'était pas ça, le truc du perroquet, là? Ce que nous a dit le perroquet. Mais attendez, du coup, j'ai chopé plein de trucs là, plein de lunes. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. J'aimerais bien vous faire des épisodes assez courts quand même, parce que c'est assez court, ouais. Alors ici, mais je sais pas du tout où il a mis Capi, hein. Enfin, son trésor là. Attendez. Hop. Voilà. Tu dis rien. Ici. Capi, quand on va là-bas, il nous dit non, pas par ici, je sais pas quoi là. C'est ça, hein. Je crois pas que ce soit par là. Mais c'est pas... Enfin, c'est pas vers la grande tour, c'est pas vers ici, c'est où? Ok, c'est très bizarre. Très bizarre, son truc à Capi. Mais où tu l'as caché? Il y a pas 3000 trucs où tu l'as caché. Qu'est-ce que tu cherches? Moi, je sais. Pays des chapeaux standard. Qu'est-ce que c'est que ça? Pays des chapeaux standard. Ça veut rien dire, hein. Sous le bord du grand chapeau. Bon, ça, on va la choper. Ok. Et qu'est-ce que tu cherches? Un taxi volant sur haut. Mais un taxi volant? Mais où tu vois un taxi? Un taxi volant. Un taxi volant. Un taxi volant. Mais il n'y a pas de taxi là-bas. Si. Ah si! C'est un taxi ça va? Ça là-bas? Je crois que c'est... Attendez, c'est un taxi non? Qu'est-ce que... Sous cette pile de caisses. Oui mais ta bouche. ta bouche. C'est un taxi là-bas? Ouais, c'est un taxi non? Ça là, c'est un taxi. Mais comment j'y vais? Enfin, il faut que j'y aille. Un taxi volant. Attendez, il n'y a pas une loupe genre... Ah ça, attendez. C'est un taxi ou quoi? Allez, vite, voilà. Ça, c'est un taxi. Attendez, zoom. Non, ça c'est des vaisseaux. Mais j'ai vu, c'était pas un taxi tout à l'heure ce que j'ai vu? Attendez, non, il n'y a que des vaisseaux ici. Ça. Non, encore des vaisseaux, que des vaisseaux. Ah si, là. Oh, d'accord. D'accord, ok. Alors des fois dans le décor, t'as des trucs qui vont... Alors mais ça c'est une grosse référence à Harry Potter, hein. Taxi qui vole comme ça, c'est une grosse référence à Harry Potter. En plus la musique et tout, genre ça fait vachement école de sorciers et tout. Enfin la ville, elle fait vachement ville de sorciers et tout. Franchement, si c'est pas une référence à Harry Potter, je sais pas ce que c'est, hein. Un taxi volant sur Aubourg, très bien. Ah ouais, très bien, d'accord. Donc il y a des trucs cachés dans les décors des fois. Bah écoute, c'est super. Non, pas par là, enfin pas par ici. Capi, tu commences à me saouler, clairement. Je sais pas où tu l'as foutu
ton truc, mais tu t'en vas? Tu vas t'en aller, oui? Ok, d'accord, bon, bah... j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur des Paragombas, mais pourquoi vous les exterminez pas, les Paragombas, si vous avez peur d'eux? Enfin, ils sont dans votre ville, genre les Paragombas, c'est un peu bête quand même, hein. Ils sont un peu abrutis, les capis, là. Alors, ici, il y a rien... Il y a pas une caisse, là-bas? Non, il y a rien du tout. Je sais pas où tu l'as foutu, ta caisse, hein, capi, clairement... Parce que des fois il me dit non, pas par ici, je sais pas quoi là. Là. C'est pas par là, hein. Mais sous cette pile de caisse. Une pile de caisse, il faut trouver, hein. Une pile de caisse. Est-ce que c'est parce que j'ai déjà cassé les caisses qui me dit. Qui me valide pas la quête? J'en sais rien du tout. Attendez, je voulais juste aller voir le bord du chapeau là. On peut voler tout en haut? Non, j'ai pas l'impression, hein. Sous cette pile de caisses. Bah ouais, non. Je comprends pas bien. Attendez. Derrière le petit truc. Enfin, derrière le gros chapeau. Y a rien. Non, il y avait toujours cette zone bonus, mais là, y a rien là. Non. La belle ville là-bas, elle est magnifique. Les décors de ce truc sont super jolis. Ici, en bas, là, y a rien. Non. Y a rien du tout. Si, c'est quoi ça là-bas? Ah, c'est une lune, c'est ça? C'est une lune ou un fragment? Non, c'est bien une lune, je crois. Hein. Ouais, c'est une lune. Ouais, c'est une lune, ça. Eh bah oui, c'est une lune, d'accord. En volant jusqu'aux confins du smog. D'accord, bah elle brillait en fait en dessous du smog, donc j'ai pu la voir. Alors, il nous manque quoi? Il nous manque la 29, la 20. Sous le bord du grand chapeau. Bah ça, je vais le choper, je vais la choper, mais en dernier. Parce qu'il faut que je monte en haut de la tour et tout, et j'ai un peu la flemme, là, je vous avoue que... Mais je veux d'abord chercher le trésor de Capi, là, parce que ça commence à me titiller, et je sais pas où c'est. Donc, voilà. Alors, merci le Paragomba, tu m'as été d'une grande aide. Malheureusement, je vais devoir te laisser là. Alors, où c'est le truc? C'est où? Sous cette pile de caisse, mais de quoi il parlait, enfin... je sais pas du tout. Attendez, où est-ce que je l'ai mis sous cette pile de caisse? Mais il doit y avoir une pile de caisse. Attendez, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais mourir. Voilà, comme ça toutes les caisses vont réapparaître. Ah, ok, bon, d'accord. Très bien, voilà, je vais mourir. Toutes les caisses vont réapparaître. Et si je vois une pile de caisse, voilà, ça. Attendez, déjà je vais aller voir la quête. Enfin, je vais aller voir le monsieur là. Il est où le monsieur? Le monsieur qui nous dit « Ah, Capi, j'ai toujours pas trouvé ton trésor, je sais pas quoi. » Mais d'ailleurs, Capi, tu caches un trésor, mais quand même, tu le dis à tes potes. Mais c'est un peu bête. Allez, salut. Ah, salut Capi, ça faisait un bail, ça fait un bail, nanana. Je ne sais pas où je l'ai planqué, mais je ne sais pas où je l'ai toujours pas trouvé. D'accord. Où est-ce que je l'ai mis? Sous cette pile de caisse. Là, il y a une pile de caisse. Là, c'est une pile de caisse. Ça, c'est une pile de caisse. Non. Peut-être dans la petite allée qui longe le smog. D'accord, ok. La petite allée qui longe le smog. La petite allée qui... Ah, ça, là? La petite allée qui... Non, non, ce n'est pas par ici. Ah, peut-être sous le pont Binoclès. D'accord, ok, ça va être... Il va nous dire, ah non, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Alors, sous un pont. Sur le pont ou sous le pont Binoclès, il a dit? C'est là, le pont Binoclès? Je sais que dalle. C'est ça? Non. Attendez. Ça? La ville a enfin retrouvé sa tranquillité. Oui, mais c'est cool. Ici, c'est pas là? Je crois pas. Hein. Ok, non, c'est pas là. Bon, le pont Binoclès, ça doit pas être celui-là. Bah, il y a deux ponts, de toute façon, dans la ville. Donc, c'est soit lui, soit l'autre. Hein. Voilà, ici. Une petite cachette, non. En fait, il faut trouver la cachette où il aurait pu le mettre, quoi. Le trésor, c'est ça? Je ne crois pas que c'était par ici. Mais Capi, t'es un peu bête. Il y a deux ponts, hein, genre. Il y a un pont qui est juste là et un pont derrière. C'est un peu bizarre quand même, hein. Alors, c'est ici. La ville a enfin retrouvé sa tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui maintenant que j'ai trouvé son trésor là? Avec l'indice du pays des chapeaux. D'accord. Sous le bord du grand chapeau, ok. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Pays des chapeaux standard.
pris des chapeaux standards, mais ça veut absolument rien dire. Pombinocles. Oui, mais ok. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit, Capi, genre quand on était là-bas? Attendez. Je veux voir. On était là-bas. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ah, il nous redit pas le dialogue, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Il y a un truc sur le pont Binocles. Enfin, il faut que je fasse du Grand Pound, là. Enfin, truc. Y a pas quelque chose? Que ferais-tu si la douce lumière de la lune, je sais pas quoi, là? Non, je m'en fous. Y a rien? Mais ici, y a rien? Mais Capi, pourquoi tu dis rien? Oh! C'est ça? What? Avec l'indice sur le même chapitre. Quoi? Avec l'indice. What? Mais j'ai trouvé. Mais pourquoi j'ai trouvé une étoile? C'est C'est pas ici? Royaume champignon, attendez. Royaume champignon. J'ai trouvé une lune du Royaume champignon. What the. Crabuche, accès secret. Avec l'indice du Royaume champignon. J'ai trouvé une lune complètement par. Enfin, une étoile complètement par hasard. D'accord. Ok, très bien. J'ai trouvé une étoile complètement par hasard. C'est un peu bête. Enfin. Mais il est pas. Il est où le truc là, le pont Binocles? Aïe. C'est où? Attendez. C'est sympa, je sais pas quoi là. Ouais, d'accord. Mais il nous dit rien, Capi, hein. C'est ouf. Y'a rien. Attendez. Là, y'a rien. Il a dit sur le pont ou sous le pont? Là, y'a rien. Non. Non, y'a rien du tout. Ici, y'a rien. Non. Non. Non, y'a rien du tout. C'est un peu bizarre, hein, attendez. Oui, c'est un peu chelou. Non plus, sur la colline la plus haute. Mais attends, mais Capi, tu le dis maintenant, le truc, ton dialogue. Sur la colline la plus haute. Colline, c'est là, la colline la plus haute, c'est là où il y a le lapin. Hein. Ouais, voilà. Parce qu'il n'y a pas de colline, hein, à part ici. Ah, je me souviens, j'ai avancé d'ici en direction de la lune. Ok. J'ai avancé ici. Ah, il y a un truc qui vibre. Ici. Ah non, c'est des pièces. C'est pas ça ton trésor, hein, je pense pas, non, quand même. C'est pas des pièces. J'ai avancé d'ici en direction. On chauffe, je sens qu'on chauffe. Ah, il y a un truc qui vibre. Elle est là. La voilà, ma précieuse lune. Mais qu'est-ce que... Trésor oublié. Mais c'est quoi cette lune toute pourrie? Genre, pourquoi j'ai... Vous avez vu, déjà, j'ai fait le tape-cul juste là. Bon, après, peut-être que la lune, elle est... Enfin, elle apparaît qu'à partir d'un certain dialogue de Capi. Mais vous avez vu, le dialogue de Capi, comment il veut pas apparaître? C'est incroyable, ça. Ok, bon, alors, à mon avis, pour... là, il me manque des lunes. Alors, il me manque le truc du chapeau. Il me manque le truc standard. À mon avis, il doit y avoir un mini-jeu, un truc un peu pourri. Donc, on va y aller. Voilà, on va aller dans la petite tour. Mais c'est très très chelou. Comment ça se fait que Capi voulait pas parler comme ça? Vous avez vu, hein? Bon, par contre, j'ai trouvé une lune complètement au pifomètre à l'intérieur de la chapitour. J'ai trouvé une lune complètement au pif. Genre, c'était la lune du Royaume Champignon. Enfin, c'était une étoile plutôt, en fait. Parce que dans le Royaume Champignon, ce sont des étoiles et pas des lunes. Mais c'est trop bizarre. La façon dont je l'ai eu, très très bizarre cette lune, hein. Alors, il me manque combien de lunes? Il m'en manque... 3, 4, hein. Il me manque 4 lunes, d'accord. Donc il y en a une, elle est en dessous du bord du chapeau là. Il me manque encore une lune, c'est l'espèce d'indice. Et c'était trop bizarre en fait, l'espèce d'indice là. C'était genre plein de couleurs genre un espèce de truc bleu bizarre. Bon, c'était chelou. Alors. Ici, elle est là, la lune, ok, très bien. Ah, mais il y avait carrément un TP. J'aurais pu me TP. Voilà, sous le bord du grand chapeau. Bon, ça, j'ai eu la lune, très bien. Donc, il me reste 3 lunes à avoir. Ça, c'est cool.
Alors, ici, bah, je peux me... Chapiteau, ouais, je peux me téléporter. Voilà, je peux me téléporter en haut. Bah, c'est mieux, en fait. Voilà, j'aurais pu me téléporter au lieu de monter tout en haut, là. Alors, tout en haut, est-ce qu'il n'y a pas, genre, un athletic tac? Parce que s'il y a un athletic tac, à mon avis, il doit bien y avoir quelque chose. Alors, oh, il y a un Koopa, attendez. En haut, il y a un athletic tac, il n'y a pas un truc? Non, il y a Captain Toad toujours, mais il n'y a pas de truc. La lune ici, je sais pas quoi. Non, on s'en fout. Bon, bah non, il n'y a rien. Très bien. Alors, nous voilà repartis. Du coup, on va voir le Koopa. Donc, lui, il va nous donner une lune. Salut. Salut, petit Koopa. Envie de courir avec les rois de la course? Quand on arrive dans un pays, on le traverse au pas de course. Tu veux courir avec nous, petit gars? Si tu gagnes, je te donnerai un prix. Ça, je vous en ai pas trop parlé, mais c'est une... Enfin, non, si, je crois que je vous l'ai dit déjà. C'est une référence à 64 avec le Koopa rapido. Puis des chapeaux standards. Course. Ah, il va falloir aller sur la colline. D'accord, ok, très bien. Bon, c'est parti sur la colline, alors. Ok. Mario, je l'adore. Il est trop beau comme ça. En petit costard. Enfin, c'est pas un costard, mais... Allez, on y va. Waouh! Il faut sauter et tout, c'est trop bien. Attendez. Voilà, on y va. Allez, 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 on fait la petite roulade. Voilà, la roulade, hein, si vous voulez gagner du temps, c'est, je crois, c'est le mouvement le plus rapide de Mario dans cet opus. Voilà, avec le long jump. Allez, vas-y, la roulade. Donc, si vous voulez faire la roulade infinie, en fait, il faut juste secouer la manette et appuyer sur la touche qui vous fait B. Enfin, la touche pour accroupir Mario. Et vous appuyez sur X et vous secouez la manette. Voilà, 32 secondes, c'est cool. Mais quelle vitesse, bravo petit gars, tiens, tu repars avec une lune. Super, alors, pays des chapeaux... Ah, c'était ça, pays des chapeaux standard, d'accord. Et il n'y a pas un truc à refaire là? Et les gars, on a un nouveau roi de la course. J'ai préparé un nouveau prix. Ah bah si t'as préparé un nouveau prix, à mon avis, il doit y avoir une deuxième lune. Donc ça veut dire que le Koopa rapido, il faut faire deux fois la course contre lui. Pays des chapeaux expert, d'accord. Ok, bon, il y a un truc expert, d'accord. Oh, mais oui, regardez, il y a un comment ça s'appelle? Un Koopa qui est genre tout doré. Oh purée, mais il court à la vitesse de la lumière, lui, attendez. Vite, allez, vas-y Mario. Bon, on le défonce. Bon, en fait, c'est pas super dur, hein. C'est pas super dur. Allez, vite. Voilà, allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, je sais pas ce qu'il fait le Koopa là doré, mais il est où? Ah, je l'ai semé, je crois. Et j'ai fait un nouveau record. J'ai fait 28 secondes. La dernière fois, j'avais fait quoi? J'avais fait 31 secondes. Enfin, 30, ouais, 31, je crois. Ok, très bien, pays des chapeaux expert. Et voilà, on a 20 lunes là, c'est super. Alors il nous manque quoi? Donc là on a déjà tout. Oh mais attendez, on a eu... Ah mais on a tout eu en fait. Ok, alors il nous manque une lune. Et il s'agit de l'indice du pays des chapeaux. D'accord. Ok, donc si c'est l'indice du pays des chapeaux, il va falloir à mon avis parcourir les pays où on est déjà allé et trouver le truc correspondant. Ok, mais d'abord je veux bien voir l'indice là parce que je m'en souviens plus. Alors on va aller le voir, très bien. Allez, vas-y, super. Alors ici on a un indice. Alors qu'est-ce que ça peut être? On a plein de couleurs, une lune dans du blanc. Et enfin, j'ai l'impression... C'est quoi? C'est des plateformes? Mais... What? Attendez. C'est bizarre. Ça me fait penser... Le bleu, ça peut... Ils sont dans une grotte? La seule grotte qu'on a visitée, c'était où? Bah, c'était sur la lune, je crois. Il y avait une grotte avec du feu et tout. Mais il n'y avait pas ce paysage-là. C'est censé représenter un paysage, hein. Mais le bleu comme ça, le noir, le gris et plein de couleurs. Bah c'est pas le pays des sables.
ça peut être le pays des nuages, même si bon, ils regardent. Enfin, si c'est des personnages qui regardent du bleu comme ça, bah le, dans le pays des nuages, c'était rose, donc non. Donc ça peut être quoi? C'est pas le pays des chapeaux? C'est pas le pays des nuages? C'est pas le pays de la forêt? Je pense pas. C'est pas le pays de la bouffe, de la cuisine? Parce qu'il n'y a pas cette ambiance. Un paysage, enfin, c'est censé représenter, comme je vous l'ai dit, un paysage. Mais du noir, du bleu, du gris. Attendez, c'est quoi les pays qu'on a visités? Du noir, du bleu, du gris. Attendez, oui, j'ai pas pris en capture d'écran, je crois. Attendez, hop, on prend. Voilà, on prend la capture, super. Et du coup, on va aller, écoutez, vers notre Odyssée pour voir les pays qu'on a visités. Vous en souvenez? Enfin, vous savez quoi? Je m'en souviens même plus. C'est pas le pays du lac? Enfin, je pense pas, parce que le pays du lac, c'est pas gris comme ça. Et il y a pas de, c'est beaucoup de bleu et beaucoup de couleurs. Donc non, ça peut pas être ça. Qu'est-ce que ça peut être? Attendez, déjà on va poser les lunes. Voilà, ça c'est cool. Posons les lunes. Très bien, et ça nous fait combien de lunes? 277, très bien. Il y a du nouveau dans les boutiques, très bien. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme pays? Côté obscur. Bon, ça le côté obscur, je le réserve pour la prochaine fois. Enfin, pour quand on aura fini tous les pays à 100%. Pays de la lune. Bah oui, c'est le pays de la lune en fait, parce que regardez, il y a du gris, du noir. C'est... Non, c'est pas le pays de Bowser, pas du tout. Ça peut être le pays des ruines. Même si bon, du gris comme ça, c'est plutôt du violet là qu'on a. Pays de la cuisine, pas du tout. Pays de la mer, non. Pays des neiges, bah non, c'est du bleu. New Donk City. Ah, il y a du gris dans New Donk City, c'est vrai. Alors, c'était des personnages qui regardaient... Enfin, des personnages... Des espèces de plots qui regardaient, genre... un truc bleu. Donc, ça peut être New Donk City, ouais. Pays perdu, non. Pays du nuage, non, comme je vous l'ai dit. Pays du lac, non. Pays de la forêt, non. Pays des sables. Non, je pense pas. Pays des chutes, non plus. Et pays des chapeaux, non. Enfin, pays des chapeaux et royaume champignon, non. Bon, écoutez, on va aller au pays de la lune et ensuite à New Donk City. Voilà. Comme ça, si on trouve des choses, voilà, on va aller au pays de la lune. Mais vous en faites pas, on va pas faire la lune à 100% aujourd'hui, là. Après, dans le prochain épisode, on fera le pays des chutes à 100%. Mais là, on va pas faire, on va pas du tout faire le, comment ça s'appelle? La cinématique quand Mario part... vers la lune, là c'est cool. Ok, donc on va aller sur la lune, après sur New Donk City. Parce que franchement, je vois pas du tout. De toute façon, on a l'indice en capture d'écran, donc bon. Allez, on passe la cinématique. Mais c'est très bizarre. Alors, pays de la lune, cratère, lune de miel. Très bien. Alors, on peut passer. Alors. Ouais, mais c'est clairement la lune en fait. Oui, donc on va pas activer le rocher. Hein, voilà. On va pas activer le rocher. Alors. La lune... Oh! Mais c'est pas ça? Attendez. Le bleu l'emporte sur le vert. C'est simple. C'est bien... Ah, il y a Captain Toad là. Il faudrait que je lui parle, mais quand on fera la lune à 100%. C'est bien simple, mon ami. Je n'ai jamais vu... rien de vu d'aussi beau. Flon, c'est fibo, cette rondeur. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est bizarre de regarder la Terre depuis la Lune, normalement je fais le contraire. Bah oui, c'est vrai. Oula, ne pas tomber. Cette rondeur, cette fraîcheur, moi ça me donne faim. Et lui il parle pas, ok. Mais c'est clairement ça. Les personnages qui regardent un truc bleu, mais c'est ça. Et la Lune, elle était où alors? Elle était derrière un truc, je crois. Attendez, elle était derrière quelque chose. Ah bah voilà, elle était là. C'est ça, hein. Avec l'indice pays des chapeaux. Yes! On a trouvé, les amis, c'est bon. Ah, super. Et ben voilà, le pays des chapeaux est complété à 100%. Ok, dis donc, j'ai eu un coup de bol. Voilà, on a des étoiles partout. Dis donc, j'ai eu un coup de bol, hein. Purée, j'ai eu un vrai coup de bol sur le coup, là, parce que... Putain, heureusement que j'ai bien cherché quel pays avec l'indice
L'indice, est-ce que l'indice correspondait à quel pays correspondait à l'indice qu'on trouvait dans le pays des chapeaux, et j'ai bien fait. Oula, regardez, il y a plein de trucs à faire dans le pays de la lune, mais on y reviendra par la suite. Oui, on y va. On va aller au pays des cascades, enfin au pays des chutes plutôt, voilà. Au pays des chutes, voilà, c'est le prochain pays qu'on doit faire à 100%, du coup on va s'y rendre. Mais les amis, on ne va pas le faire aujourd'hui, voilà, on va le faire pour la prochaine fois, le pays des chutes, voilà. Donc écoutez, c'était très bien, hein, je trouve. C'était très bien ce petit épisode à 100%, j'ai beaucoup aimé. Pays des chutes, territoire théropode, très bien. Oh, regardez, il y a même les comment ça s'appelle. Beaucoup de choses ont changé au territoire théropode. Oh, il y a le Koopa Rapido, il faudrait qu'on lui parle. Ici aussi, la roche lunaire émet de la lumière, on ferait mieux d'aller voir. Ok, allez, elle se situe en haut. Regardez, il y a même les poteaux électriques qui ont été réparés. Ouais, regardez ici, en haut. C'est cool, ça. Ok. Bon, allez, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Super Mario Odyssey. J'espère qu'il vous a plu. On va changer Mario, là, parce que la tenue du Pays des Chapeaux, bah, c'est pas la tenue du Pays des Chutes, voilà. Ça aura été un bon épisode, voilà. On a bien rushé, c'est bon, on a fait toutes les lunes. Enfin, on a chopé toutes les lunes dans le pays des chapeaux, c'est cool, on a eu toutes les pièces violettes et tout, c'est très très bien. Dans le pays des chutes, on a toutes les pièces violettes, mais il nous en manque pas mal dans le pays des chutes, en fait, ouais, il nous en manque pas mal, voilà. Donc voilà, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à aimer la vidéo si elle vous a plu, et du coup, on se retrouve, et bien écoutez, demain. Pour un nouvel épisode de Super Mario Odyssey. Bisous à tous et à la prochaine. Ciao ciao.